Bon, là, premièrement, je viens de commencer, Jean-François. Ça m'a l'air un peu plus difficile que ce que tout le monde annonçait, quand même, non? Ben, les conditions ont changé. Hein. Les Bulgares nous annoncent qu'il y a une rivière qui coule et qui alimente ce plan d'eau. Ils ont arrêté, ils l'ont bloqué la rivière hier. Donc, ce résultat, il n'y a plus de courant. Le plan d'eau a baissé de 20 cm au moins. Donc, en fait, je pense que, et le capitaine belge est d'accord avec moi, ça annule pratiquement l'analyse de la semaine. C'est grave, je pense. Oui, je ne comprends pas cette décision de l'organisation. Enfin bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer. À mon avis, ça va être de mauvais augure pour la pêche à la grande canne. Je pense que quand même, ce championnat du monde va jouer principalement à l'anglaise, non? Si on regarde le début de la pêche, oui, toutes les équipes sont parties à l'anglaise, on va dire 95%. Les premiers poissons se prennent à l'anglaise. Et la baisse du plan d'eau, je pense que ça les a fait réfléchir. Et souvent, quand le plan d'eau baisse, hein, dans tous les plans d'eau du monde, les poissons reculent. En plus, il y a un temps très beau et il n'y a pas de vent, quoi. S'il y avait un peu de vague, ça bougerait un peu l'eau, ça l'oxygénerait, peut-être les poissons seraient un peu plus mordeurs. Oui, parfois, vers midi, le vent se lève un peu. J'en ai discuté avec les pêcheurs, il faut 2 heures pour que ça agisse sur le contre-courant. Hein. Le vent souffle du secteur E vers le secteur A. Et le contre-courant se fera, mais au bout de 2 heures, je pense que la manche sera presque finie. Ce qui explique aussi que les poissons se prennent dans la dernière heure, voire la dernière heure et demie. C'est certain, il faut un peu de mouvement d'eau. Toi qui as gagné le championnat de France dans un bassin d'aviron, à Choisy-le-Roi, je me souviens que tu avais pêché au coulissant, oui. Justement à cause de ce contre-courant. Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui ont monté des coulissants, oui. Alors qu'il n'y a pas du tout de courant. Est-ce que tu penses que c'est valable? C'est difficile, ils se sont entraînés une semaine comme ça. Alors, je ne sais plus quel pêcheur disait hier qu'il y a les deux techniques qui étaient employées, le coulissant Stéphane. Et le fixe, c'était Stéphane, oui, et que les deux techniques avaient des résultats. Donc, à voir. Maintenant, j'ai vu l'Italien, là. Et Jacopo, il est très agressif, il amorce en rafale et... Oui, il s'est mis à rappeler à peine après 10 minutes après l'amorçage. À peine 10 minutes, donc... Bon, on va voir, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses des autres équipes, mais... C'est en tout cas une particularité de ces plans d'eau, on va dire, des pays méditerranéens, où l'eau est chaude. En fait, bizarrement, même quand la pêche est difficile, il faut être relativement agressif dans l'amorçage, ne pas hésiter à utiliser des amorces riches, mettre des asticots, rappeler régulièrement, alors qu'on s'attend à prendre que 3 ou 4 poissons. C'est un peu l'inverse de ce qu'on fait dans le nord de l'Europe, où quand c'est dur, on met de la terre, on met très peu d'èche, etc. Ouais. D'autant que quand on dit attraper, ça va se gagner avec 4, 5 000, peut-être 6 000. Ouais. Mais 6 000, ça peut faire 3, 4 poissons seulement. Hey. Le problème, c'est que si tu mets un asticot, tu as une touche tout de suite. Tu attrapes un petit poisson, une ablette, un truc qui va pas, quoi. Donc il faut sélectionner en plus le poisson. Donc c'est très intéressant, ça va être très technique et il va falloir être concentré de la première à la dernière minute. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des changements dans les résultats qui peuvent se passer en 10 minutes à la fin. Un pêcheur de n'importe quel pays peut prendre 2-3 cartes parce qu'elles arrivent sur le coup à la suite. C'est arrivé pendant les entraînements et ça va bouleverser complètement le résultat. Donc il va falloir suivre ça très très près. Oui, donc. On verra, les Italiens sont très agressifs, je pense qu'ils y croient, on voit qu'ils sont concentrés à mort. Ouais. On n'a pas encore bien vu les Anglais, ils ont été discrets je trouve pendant les entraînements. Oui, j'ai vu Alan qui a réussi des scores assez faibles, de 1 à 2 kilos sur certains entraînements, donc c'est vraiment très faible. Je pense quand même qu'effectivement les Italiens c'est les archi favoris, ils ont gagné les 3 dernières grandes épreuves internationales qui ont eu lieu là, 2 championnats du monde des clubs, 1 championnat d'Europe. Il y a une autre nation qu'il faut surveiller, que je connais plutôt bien, qui est la Hongrie, qui a eu 3 médailles de bronze aux 3 dernières épreuves sur ce parcours. Visiblement, il y a les Tchèques également, qui ont très bien réussi pendant leurs entraînements. En tout cas, ça va se jouer, à mon avis, sur une différence de points très faible. Je pense qu'il y aura dans chaque équipe un pêcheur ou deux vraiment qui sera dans des situations très difficiles. Donc ça risque d'équilibrer un petit peu les débats. Oui, et puis... Il y a nos Français quand même. Ouais, nos Français. Bon, j'espère quand même qu'ils vont arriver à... Jean-Pierre est assez optimiste. Tu as vu hier, lors de l'interview, il a dit qu'il était venu pour l'or et je le comprends tout à fait. Simplement,
c'est pas un parcours quand même qui nous a beaucoup réussi sur toutes les épreuves qui ont eu lieu ici. La seule fois où on a réussi à avoir une médaille, c'était un championnat du monde des clubs parce qu'il y avait une pêche de perche-soleil en bordure, assez de vitesse et de tout petits carassins. Mais en général, quand c'est des pêches de gros poissons, des eaux chaudes, de l'asticot et de l'anglaise, on a quand même du mal. Pour moi, sans être pessimiste, si on est dans les 5-6 premiers, je trouve que ce serait déjà un très bon résultat, on pourrait s'en satisfaire. Qu'on fasse mieux qu'en 1989. Ça va pas être tellement difficile.